Là, je vais vous présenter la ganache au foin de croc. Alors, qu'est-ce que le foin de croc ? Donc, c'est, en fait, je fais un coffret Camargue. Donc, je suis installé en Provence. Et donc, dans ce coffret Camargue, bien sûr, on a utilisé un peu les ingrédients de la région tout autour de la Camargue. Donc, c'est beaucoup de fruits, hein, donc les pêches, les abricots, les framboises, la figue, le coing, le basilic. Et il me manquait un ingrédient. Et bien sûr, j'ai trouvé le foin de croc. Alors, c'est un foin très aromatique. Donc, je vais faire une infusion avec ce foin. Donc, je vous invite, quand vous êtes chocolatier dans des régions comme ça, à mettre en avant hein, les produits de votre région, même les plus bizarres, on va dire. Hein, parce que le foin, c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre, mais c'est très aromatique. Je vais bien faire bouillir parce que le foin, ce n'est pas stérilisé. Donc, il va falloir détruire tous les petits micro-organismes qu'il peut y avoir dedans. Donc je vais donner un bon petit bouillon. Donc il en faut quand même hein, pour donner du goût. Donc c'est un peu compliqué à faire infuser. Voilà. Donc je vais faire bouillir mon foin avec ma crème pour détruire bien tous les micro-organismes, toutes les petites bactéries qu'il peut y avoir. Et je vais le laisser infuser environ 10 minutes. Et cette ganache, donc vous n'allez pas pouvoir la goûter, mais ça va nous donner un côté donc très herbacé, donc très sympa. Voilà, donc là, je vais laisser infuser un petit moment. Mon infusion est prête, donc je vais la chinoiser. Et là, ce qui est très, très, très important quand vous faites des ganaches infusées, c'est de toujours repeser la crème à son poids initial. Parce que suivant les infusions que vous allez faire, donc en général, les infusions à base d'herbes comme ça, ça pompe énormément de liquide, comme le thé, le foin. Et même toutes les infusions, c'est très important de tout repeser. Si vous faites une infusion de vanille, de cannelle, vous savez, il y a toujours du liquide qui va rester dans les tuyaux de la cannelle, avec des zestes, avec tout. Il faut toujours repeser parce que si au début, vous étiez parti avec 20% d'eau, comme on a dit, 20 ou 22% d'eau, eh bien, si vous ne reposez pas, peut-être qu'à la fin, vous allez avoir peut-être que 18% d'eau ou 16 ou 17% et votre ganache, elle n'aura jamais la même texture. Donc, pour être toujours régulier dans vos préparations, toujours reposer le liquide à son poids initial pour avoir vraiment quelque chose de parfait. Voilà. Donc là, vous voyez, sur ma recette initiale, j'avais 385 g de crème et là, j'ai 340 g. Donc, il va m'en manquer un petit peu. Donc, je vais rajouter de la crème. Et pour toutes ces ganaches à base d'herbe, quand je fais des ganaches au thé, je repasse toujours une deuxième fois. Parce que vous voyez, on peut toujours avoir, suivant le chinois que vous utilisez, des petits grains de thé ou d'herbe, etc. Donc, ce n'est pas très agréable. Et ça, je vais le passer une deuxième fois, mais dans un tamis très, très fin ou une charlotte. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre une charlotte. Donc, je repasse mon infusion une deuxième fois pour vraiment avoir aucune impureté. Donc là, j'ai bien l'odeur très herbacée du foin. Donc, c'est là que je vais rajouter mes sucres. Donc, en premier lieu, je vais rajouter le sorbitol ou tous les sucres qui sont en cristaux. Si je mettais du dextrose, ben je le mettrai maintenant parce que c'est un peu plus difficile à dissoudre. Donc je vais juste faire chauffer. Alors c'est là que ça va être important maintenant. Ce que je veux, c'est garder toute l'eau qu'il y a dedans. Donc je ne vais pas refaire bouillir la crème parce que sinon je vais encore avoir de l'évaporation et je vais encore perdre de l'eau. Donc là, je vais juste chauffer à peu près 65 degrés. C'est juste avant la limite de l'évaporation pour garder vraiment le maximum d'eau à l'intérieur. Et ma crème a été bouillie. De toute façon, c'est une crème UHT qui est stérilisée. Donc, c'est pas obligé de la refaire bouillir encore. Donc, j'attends que mon sorbitol soit bien dissous. Et après, je vais rajouter mon glucose. Glucose que j'ai passé au micro-ondes. Comme ça, il est déjà fondu. Le glucose, c'est pas important. Enfin, il va fondre tout seul. C'est un sirop. Hein. Donc, on peut le mettre même à la fin. Il n'y a pas de problème. C'est surtout les produits en poudre, donc comme le sorbitol, le dextrose. Voilà, donc là, je suis bien. Voilà, je l'enlève de la plaque à induction. Je vais rajouter mon glucose.
Et donc, pour cette ganache au foin, j'ai décidé de la faire plutôt lactée pour bien faire sortir le parfum du foin. Parce que même si on sent bien le foin, ça reste quand même un parfum très subtil. Si je mettais que du chocolat noir, le chocolat noir prendrait le dessus sur le foin. Donc là, j'ai fait un mélange lait noir, mais pour le noir, j'ai mis de la pâte de cacao pour durcir un peu la ganache, vous voyez, pour jouer un peu avec les ingrédients. Donc là, j'ai décidé de faire une ganache lactée, mais vu que, si vous voulez, c'était trop... j'ai mis trop de chocolat au lait, je ne pouvais pas en mettre plus. Je ne pouvais pas rajouter de chocolat noir, sinon ça aurait été trop sucré. Donc j'ai rajouté de la pâte de cacao pour amener de la dureté et de la force cacao. Donc là, j'ai fait fondre les deux. Hein. Donc à la fin, on va avoir un produit, vous voyez, la couleur, c'est plutôt lacté hein, dans son ensemble. Donc l'avantage, c'est qu'il va bien nous laisser sortir le parfum du foin. Et là, je vais donc couler ma crème, hein, petit à petit. Je vais d'abord faire mon noyau élastique. Voilà, quand c'est bien émulsionné, enfin, quand c'est bien mélangé, je vais rajouter le reste petit à petit. Et après, le dernier point qui est très important pour la texture finale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour la texture finale des ganaches, ça va être la température de coulage dans le cadre. Donc plus on va couler chaud une ganache, plus elle va être molle à la fin, et plus on va la couler froide, plus elle va être dure. Donc il faut jouer avec ça. C'est-à-dire que pour les ganaches noires qui ont tendance à être plus denses, parce que quand on fait une ganache toute noire, il y a beaucoup de masse de cacao. La masse de cacao, c'est dans la fève de cacao, c'est la partie sèche du cacao. Et dans la ganache, c'est ce qui va nous donner une texture aussi. C'est un peu comme si on mettait de la farine avec de l'eau. Vous voyez, ça va nous donner quelque chose de... Ça va nous donner la pâte de la ganache. Donc plus il y a de masse de cacao dans une ganache, plus elle va être dure, dense. Donc il va falloir la couler plus chaude pour contrebalancer avec cette texture pour qu'à la fin, on ait une texture très soyeuse. Donc j'ai mis toute ma crème dans ma ganache. Mais on voit, vous voyez, si je coulais une ganache comme ça, elle est vraiment pas belle. Elle n'est pas onctueuse, elle n'est pas lisse, elle n'est pas homogène, elle n'est pas émulsionnée. Vous voyez, la matière grasse se sépare de l'eau et on a une texture très tranchée. Donc là, ma ganache, elle est finie, tout est mélangé. Bon, il manque juste le beurre. Mais là, si je la coulais comme ça dans mon cadre, à la découpe et à la dégustation, ça va être sableux. Hein, parce que là, on voit que tout est séparé, en fait. Donc tout va être sableux, ça va être grainé. L'eau n'est pas liée avec les autres ingrédients, donc l'eau va s'évaporer très facilement. On risque d'avoir des moisissures très rapidement. Alors, rien ne va. Donc là, il manque juste un élément, ça va être le beurre. Bon, c'est pas ça qui va nous changer la texture de la ganache. Le beurre, en fait, dans les ganaches, il nous faut de la matière grasse. C'est ce qui va nous donner aussi le soyeux hein, à la dégustation. Il nous faut de la matière grasse, mais pas trop. Parce que si on a trop de matière grasse dans une ganache, elle risque de trancher. Donc de la matière grasse, en général, moi j'en mets 14% dans une ganache, entre 13 et 14%. Maximum, c'est 18%. 18%, si on va plus loin, après on va trancher. Donc 14%, c'est bien. Alors la matière grasse, ça veut pas dire que je vais rajouter 14% de beurre dans la ganache. Hein. Ça veut dire que au total des matières grasses qu'on va utiliser, matière grasse autre que le beurre de cacao, donc c'est-à-dire la matière grasse de la crème déjà. Hein. Donc dans une crème à 35%, il y a 35% de matière grasse. Donc ce total, il va rentrer dans le total des matières grasses. Si vous faites une ganache à la pâte de pistache, donc il y a la matière grasse de la pâte de pistache. Si vous faites une ganache à la pâte de noisette, il y a la matière grasse de la pâte de noisette, etc. etc. C'est toutes les autres matières grasses qui, une fois ajoutées les unes aux autres, vont nous donner ce total. Donc là, ma ganache, tous les ingrédients sont dans la ganache. Et là, maintenant, je vais émulsionner. Donc pour émulsionner, je peux le faire avec un petit batteur à main. Donc on va voir petit à petit la texture qui va changer et l'émulsion qui va se faire, c'est-à-dire les matières grasses, l'eau et les matières sèches qui vont se lier tout ensemble. Vous voyez, ça commence, on voit au milieu,
ça commence à devenir élastique, ça commence à devenir brillant, et sur les côtés, ça reste tranché toujours. Vous voyez comme ça devient lisse et élastique. Et là, la ganache, elle arrive. Vous voyez, déjà, la texture, elle change. Là, elle devient belle. Mais tout n'est pas encore bien émulsionné. Vous voyez, il a fallu que quelques secondes. Hein. Alors, plus on a de matière sèche de cacao, plus l'émulsion est rapide. Par contre, moins on en a, comme si on fait une ganache avec du chocolat blanc, l'émulsion est plus longue parce qu'on n'a pas cette matière sèche de cacao qui va aider au liant de toute la ganache. Donc ça va être un peu plus long à prendre, mais on va y arriver. Là, vous voyez, ça va très vite parce qu'on a de la matière sèche, la ganache est juste parfaitement équilibrée en eau, en matière sèche, en couverture, en beurre de cacao et en matière grasse. Donc, en mixant quelques secondes, vous voyez, la texture est juste parfaite. Vous voyez, la texture est juste parfaite. Elle se tient bien, elle est bien lisse, elle est bien brillante. Voilà. Donc là, j'émulsionne bien tout, que ce soit bien tout homogène. Et là, je vais le couler directement dans mon cadre. Donc, bien sûr, avant, je vais vérifier la température. Donc là, je suis à 32 degrés. Ouais, c'est parfait, parce qu'il y a quand même un peu de chocolat noir. Donc là, elle va être parfaite. Voilà, donc je vais la couler dans un cadre préalablement chablonné, c'est-à-dire avec une fine couche de couverture par-dessous, qui va nous aider à détailler à la guitare plus facilement. Donc je vais bien dans les angles, hein, pour ne pas avoir de bulles d'air. Et là, je vais la lisser. Voilà, je vais laisser cristalliser ma ganache environ 24 heures pour ensuite la couper à la guitare et l'enrober.